Salut à tous, alors c'est parti pour une nouvelle vidéo. Donc suite à la vidéo précédente où je vous montre un peu le chantier où j'en suis, là j'ai bien avancé. L'idée là c'est de voir un peu comment je fais pour ouvrir mon mur, donc pour faire une belle fenêtre pour mon salon. Alors comme ma façade est plein sud, et ben c'est l'occasion de faire quelque chose. Là actuellement on voit au niveau de l'échafaudage il y a un petit genre de meurtrière, vraiment une petite fenêtre. Et en fait, celle-ci va être largement agrandie. Et ben allez, c'est parti. Bonne vidéo. Alors maintenant que j'ai cassé un peu le mur, je vais vous montrer l'intérieur d'un mur en pierre. Alors, qu'est-ce qu'on y voit? Je suis pas sûr que ça donne grand-chose, mais bon, voilà, ça ressemble à ça, un mur en pierre. Donc là, maçonner à la terre. Attendez, je vais mettre un peu d'éclairage comme ça. Voilà, maçonner à la terre. Il y a plus ou moins tout qui vient. Allez, petite pierre pour la vidéo. Bon, elle n'a pas fallu finir. Voilà, l'idée c'est de traverser le mur pour mettre les poutres là comme à côté. Et puis voilà, comme ça après je pourrais tout casser et tout ouvrir. Voilà, mise en place des quatre renforts, sachant que vu l'épaisseur du mur. Ce que je vais faire, je vais essayer de vous montrer avec mon doigt. Je vais gratter dans la moitié de l'épaisseur du mur sur toute cette longueur pour pouvoir mettre mes linteaux en bois. Du coup, sur la moitié de la profondeur du mur, je vais faire mes piliers, mes renforts, et après je ferai la seconde moitié extérieure. Bon, je vais commencer à ouvrir, on verra bien. Je suis pas maçon donc j'espère qu'il n'y aura pas d'éboulement.
Alors, bilan de cette première journée. J'ai bien cassé, j'ai remis un cinquième renfort, celui-là. J'ai un peu mon mur qui s'effondre quand même. Alors, je vais essayer de filmer. Je sais pas si vous voyez un peu. Voilà, il y a pas mal de pierres qui sont tombées là, de là à là, comme ça, tchoum, tchoum. Donc, c'était un peu chaud, j'ai mis des renforts comme ça en bois, pas que trop ça tombe. En découvrant tout à l'heure, j'ai eu un peu peur. Je suis tombé sur une mue de serpent. Donc j'ai cru qu'un serpent m'attaquait, mais en fait non, c'est juste sa mue. Et il y avait avec, je vais essayer de mettre des photos, il y avait avec des petits ossements. Donc je pense qu'il y a une couleuvre qui s'est gavée et qui est partie après, qui a changé de peau. Voilà un peu le truc. Voilà, tac. Je vais essayer de mettre les deux premières lintes en bois. Voilà, ça va être la mission du jour de demain. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.